Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred FMC et Jimmy vieno Jimmy Vienno, un de nos plus grands représentants en boxe pied-point, surtout en boxe time. On va revenir un peu sur son parcours. Il a combattu au One FC, il a combattu au Glory, il a combattu partout. Jimmy, comment tu vas bah écoute ça va très bien merci à, merci à toi de, de m'inviter et puis ça va très très bien très et content d'être là c'est très logique parce que Jimmy est de chez nous il est de Montpellier et euh, vous verrez on a, on a tourné un épisode ensemble donc vous verrez sur la vous allez le voir sur la chaîne et sachez que Jimmy ben euh, euh, ça me ça me fait bizarre de t'avoir avec nous parce qu'en fait euh, il a commencé dans notre structure dans notre salle dans notre toute première salle municipale à Palavas à l'âge de 14 ans et on partageait la même salle nous pour le MMA et toi BDD pour la boxe taille Exactement, c'était ça, donc c'est ma première salle que j'ai faite. Voilà, le bon live, <laughs> voilà les amis. Donc euh, tout le monde dit salut les boss, salut la team, salut tout le monde. Donc il y a Jimmy, les amis, il y a Jimmy euh, qui est avec nous, et euh, bon, il va répondre à vos questions, et on va parler du coup du combat Spence contre Crawford, un des plus grands combats, en tout cas euh, de l'année, euh, dans la catégorie des poids Walter. Donc euh, vraiment, euh, deux combattants qui sont invaincus. Un qui a un peu plus d'expérience, on va dire que c'est Crawford. Et, euh, et Spence, voilà, qui est un peu plus jeune, il hein, n'y a pas beaucoup d'années de, de, d'écart en, entre les deux. Un qui, est un, un qui se désaxe un peu plus, Crawford, et l'autre qui est plus ancré et qui est un véritable Paul Walter, parce qu'en fait, Crawford a, a combattu déjà dans les catégories inférieures. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat qui vous pensez qui va remporter euh, cette victoire. En tout cas, nous, on a déjà fait un petit débriefing. Tu vois, ça commence. Je vois Crawford gagner. Il y a beaucoup de personnes, Fred, qui voient Crawford gagner. Ça, hein. c'est un petit avantage à Spence, hein? Un J'ai une question bah, qui n'a pas à voir avec le combat, mais parle bah, à Jimmy. Est-ce que tu as déjà pensé à te reconvertir dans une carrière de boxe, en boxe anglaise euh, Écoute, euh, non. J'aime beaucoup la boxe anglaise. Surtout ouais, que, que tu es, es, es réputé dans, en métal pour avoir une bonne anglaise, justement. J'ai eu des échos de ça. Les esquives, ouais. Ouais. Pour les esquives, beaucoup. Euh, J'ai l'œil avec, euh, avec les coups, je, je les vois beaucoup venir. Mmh. On m'a posé pas mal de fois la question euh, qu'avec les points, ce n'est pas forcément euh, euh, ce que je kifferais faire vraiment. Mmh. Je préfère euh, faire le MMA. Ouais. Donc euh, c'est donc pour ça, non, pas en boxe anglaise euh, pure. Ah, tu vois, mais moi, as recruté. jamais songé un petit peu avant, avant le MMA, je parle. Euh, tu as jamais songé as jamais traversé esprit on, on, on se pose tous des questions dans notre carrière, ouais. est-ce que euh, j'aurais fait euh, de l'anglaise plutôt que la taille, ouais. plutôt que le kickboxing Mais en vrai, euh, non, parce que moi mes points les plus forts, c'est le genou et le coude. Ouais. Et, euh, et puis l'anglaise, c'est comme une, quelque chose en plus que j'aime. Que j'aime, mais c'est pas quelque chose que c'est euh, pas ta passion, c'est pas ma passion et c'est pas quelque chose que je vais peut-être euh, faire mal dedans. Mmh, tu vois ouais. Je vais sûrement avoir un bon niveau euh, pro, mais pas je vais pas être extraordinaire. Ouais. Alors qu'avec avec avec en box taille ou, ou à MMA, je peux ouais. faire euh, grave la différence. Ouais, okay. Tu sens que ta marge de progression, elle était supérieure en pied-point ou en MMA par rapport, à, par exemple, à l'anglaise. Ou tu te voilà. sens plus compétitif, quoi. Non, c'est même pas ça, parce que même en anglaise, hein, quand je fais les sparring avec les pros, tout ça, euh, je suis là et j'adore, hein, et moi je veux gagner. Hein. Et, euh, hors de question qu'on me passe devant. Mais euh, je me sens plus bridé, j'ai euh, mm. moins le, le plaisir. Par exemple, quand on, on me dit on va tourner en MMA ou en boxe style, je suis. Direct. Oui, content. parce que tu as toutes tes armes à MMA. Tu peux mettre des coups de genoux, mmh. tes coups de coude, etc. Voilà, je suis direct, ça me fait saliver en fait. Ah, J'ai hâte. Alors que on, on me dit on va tourner en anglaise. Ouais, c'est cool, on va tourner en anglaise. Tu vois la différence ah, C'est ouais. vrai que tu es bridé. Et en plus, c'est vrai qu'à très haut niveau, c'est dur l'anglaise. Parce que tu vois, il faut un promoteur ouais. euh, vraiment costaud pour te faire atteindre le très très haut niveau. Parce que tu vois, il y a des boxeurs, ils sont super forts. Mais peut-être qu'ils ne deviendront jamais champion du monde parce qu'ils n'ont pas l'écurie avec eux. Tu sais, l'anglaise, c'est très ouais. très politique, c'est très non, particulier. Ouais. Euh, on le voit, les Français galèrent hein, parce qu'il n'y a pas de gros promoteurs en France. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. L'entourage, il fait beaucoup euh, dans le staff et tout. Mais, euh, mais c'est vrai que je préférais. Euh, je, préférais euh, je me suis jamais dit plutôt en MMA. Ah, parce que tu vois, des fois, je voyais que tu mettais euh, en route. C'était pourquoi que tu mettais en route hein Tu ne mettais pas pour les JO ou je ne sais pas quoi Tu ne mettais pas des hashtags comme non, ça Non, En fait, j'étais euh, l'igérie de, de l'ambassade d'Abu Dhabi de France. Ah, d'accord, ok. Qui promotionnait à fond. Euh, les JO 2024 oh, okay, c'est d'accord. ça j'ai fait la pub avec eux ah d'accord je euh, comprenais pas euh, non 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 pas plus euh, pour la carrière quoi. Ouais c'est sûr c'est compliqué Fred le lien des clubs de balèze il nous dit ah, et même à oui, Frank Crawford il a raison ouais, yes. il a raison ma faute donc il y en a beaucoup qui nous disent bah, Crawford alors Crawford il est favori Alors je suis quand même étonné parce que Spence Fred bah, c'est un véritable pour Walter il a toujours évolué dans cette catégorie il ouais. est euh, large en plus hein. enfin, bon, alors j'ai pas vu la, la côté des bookmakers mais euh, je sais ouais. que pas mal d'analystes euh, mettent Crawford c'est vrai que je trouve qu'il se désaxe, j'ai un peu sondé, j'ai sondé mon cousin Frédéric Patrack qui avait fait un championnat du monde WBA contre Morello, à l'époque Morello Jimmy c'est pas ta génération mais Morello c'est celui qui avait tombé mon chipour, qui avait gagné mon chipour pour te donner une idée, donc c'était vraiment un très très grand combattant, il a battu Frédéric Patrac à Agde, et lui il dit Crawford aussi, il y a beaucoup de gens qui disent Crawford mais moi j'ai quand même peur que cette dimension physique, tu sais quand tu en un mec euh, euh, qui a toujours évolué dans sa catégorie même s'il a performé, hein, Crawford hein, c'est pas, pas son premier combat en Pro Voltaire mais des fois, tu te dis... Je sais pas si toi, tu es déjà monté en muay Thai de catégorie pour affronter des mecs un peu plus lourds. Tu eh oui. ressenti <laughs> Bien sûr. C'est Cédric Doumbé. Ah oui, c'est vrai. Oui, eh oui, oui. Oui. Moi, oui. je suis à 70 kg ouais. Et Cédric, je l'ai boxé en 77. Et pas dans ta discipline en et plus. pas dans ma euh... discipline. Et on m'avait prévenu cinq jours avant. Ah d'accord. C'est un charnotiste alors. et eh oui. Eh oui. Et j'avais 22-23 ans. D'accord. Euh... Et on s'est fait une guerre de fou C'était un super fight. C'était au glory euh... ça. Hein C'était au glory. Euh, donc, euh, donc ouais j'ai oui, déjà oui. boxé plus, plus plus lourd. Et en box taille t'as déjà boxé plus lourd ou pas? En box taille euh, box taille aussi mais pas, pas 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 77. 77 au Glory c'était le pire parce que j'étais pas encore bien suivi par ma nutritionniste. Enfin hum. j'étais même pas suivi du tout. J'ai rencontré ma, nu ma nutritionniste Cécile qui est d'ailleurs la même que, que Cédric euh, après les, les combats du Glory. Et je savais pas que je pouvais descendre à 70 sans être mort. Ah, okay. Et c'est grâce à elle que, que j'ai vu que c'était largement possible. Et c'est pour ça que One et dans tous les autres combats, les championnats du monde et tout, j'ai fait euh, de 70 à 72.5. Ouais, parce que euh, après au one FC, tu combattais à, à combien 72.5 70. Ok, d'accord. Il n'y a pas 72.5, il y a 70 ou 77. Et comme le Glory, okay, okay. Ah, c'était 70, soit 77. Et Oglory, je me suis comme dit, un MMA, en fait. Exactement, et au Glory je me suis dit, c'est pas possible, 70 et tout, ça va être, je, je combattais à 72.5, pour moi j'étais au bout. Alors qu'en vrai, pas du tout. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'ai combattu plus lourd. D'accord, ok. Bon, mais C'est toujours. Euh... Voilà. Mais je suis beaucoup plus en forme à 70 kg. Hein. Tous les muscles ici. Ah oui, bah, c'est parce que c'est ta vraie catégorie. quoi. 77, même si on, pour les feignants, plus, ils sont contents de boxer à plus lourd. Mais en vrai. Ah, tiens, ils sont beaucoup, tu pèses combien euh, hors combat bah, 77. C'est T'imagines, J'ai Mon poids de forme, mon poids vraiment où je, je suis fort, c'est à 77. Et après, je fais un petit cutting 7 kg. Ouais, je ouais, les perds vite fait, je les récupère le lendemain. Donc, euh, bah tu sais, les 77 à hein, MMA, ils font facilement euh, un minimum, 90, minimum, ouais, 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 à ouais, peu ouais, près. Hein. C'est pas lourd. Ouais, <laughs> je crois que Cédric, il a dit qu'il était à 93, non Lui, il était lourd ah, quand, ouais. quand je l'ai faillité, quand, quand je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il a fait des préparations ou c'est ça. Il mais là, il gros. a dit qu'il était à 93, en tout cas, voilà, je crois. Hein. Plus gros que moi. Ça bon, c'est tes, tes premiers cutting, tu les as fait tard dans ta carrière C'est-à-dire qu'en boxe, il n'y a pas cette culture du cutting en moitaille. Surtout familier. en boxe taille. Ouais. En kickboxing, peut-être, il y a un peu plus. En ouais. boxe taille, il n'y a en pas. pas. C'est vraiment en boxe taille, c'est tu cours le, le jour même, tu diminues vachement la nourriture, l'eau. En fait, la boxe taille, c'est moins structuré au niveau. Ouais. Ils ont moins la science euh, du, cutting, euh, du cutting. Ils sont moins euh, dans la recherche. De toujours, ouais. Eux, voilà, ils ont une méthode. Et c'est comme ça. Ils s'y tiennent. Et c'est comme ça pendant des Je sais, j'ai commencé par la boxe taille, avec Fred O'Douy. Donc, en vrai, quand tu, tu commences par une école comme ça, c'est dur de, de s'ouvrir. Ouais. Et moi, c'est grâce euh, aux autres sports, même carrément, que j'ai ouais. vu leur méthode ah, et tout. Genre. Je me suis dit, mais non, il y a autre chose à avoir, en vrai. Il y a oh, Abdul parmi nous, euh, Jimmy, qui nous salue, qui te Abdul. salue. Et Abdul <laughs> qui dit, ça casse les pieds, le cutting. <rire> <rire> Abdul, qui est lourd, qui a eu combat à 77. Abdul, il est à 87, quoi, à peu près. Donc, c'est un joli bébé. Voilà, venez, on fait un tournoi de MMA Open weight, il a dit. Le lazy cutting, le lazy, oui, le lazy cutting. Donc en tout cas, d'ailleurs, c'est quelle heure Abdul Tu n'es pas l'entraînement, c'est 20h10. Qui tu vois, toi Abdul, gagnant entre Crawford et Spence Salut la coach, salut le lazy. Bah, en tout cas, il y a du beau monde entre Jimmy et Abdul. Il y a moins de monde que d'habitude, Fred, en tout cas, dans le chat. -là, ouais, hein, ouais. Parce que ne nous attendaient pas ce soir. D'habitude, on le fait à 19h à ou à 18h. Tôt, ouais, ouais, à ouais. Mais voilà. Mmh. J'y suis. Ah, mais il, a, il a la salle d'entraînement, euh, il dit euh, Abdoul. La salle d'entraînement avec son tel. Avec son tel, à <laughs> chez Beto Ramos. C'est parce qu'il est, il est, il est prêt à faire le, la story là. Je sais pas, je connais pas, il a dit. <laughs> voilà, il est honnête, hein, il sait pas. <laughs> bon, Jimmy, tu vois qui toi pour ce match Moi, euh, Crawford, je pense. Ah, Crawford est ouais. quand même, il sort tout le temps. Ouais, hein, Crawford, ouais. Ouais. Parce que, je parce que, sais pas, il m'a plus impressionné en fait. C'est vrai qu'il est bluffant, Fred. Hein. Et. Quand il touche, ça fait mal, tu vois. Il... Enfin, je sais pas, moi, je pense qu'il a plus. Euh... Déjà, ouais, ça, c'est sûr. C'est ça... ouais, 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 voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il f... il est. Spence, c'est un destructeur. C'est-à-dire qu'il est ancré, il fait ses combinaisons haut, bas, gros bras avant, il frappe fort. Mais c'est la répétition des coups qui fait tomber ses adversaires. Ouais. Crawford, des fois, sur des échanges, il est déséquilibré, il... il touche en bout de course, les mecs, tu les vois, hop, il titube, tu vois. Attention. En fait, tu... Moi, j'ai pas dit que Crawford. Je le voyais plus euh, gagner le fight. J'ai dit, c'est plus dangereux, lui. Oui, dangereux oui, oui. Non, je suis d'accord. Mais je pense que l'autre, il, il peut gagner le fight au point. Mm. Ou, euh, ou Crawford le, le gagner par KO. Ouais. En fait, Crawford, il est imprévisible en plus. Donc il frappe plus fort, je pense. Mm. Tu vois, il a plus le punch. Et il est imprévisible dans sa boxe. Il y a une boxe beaucoup plus atypique. Hein. Et je te dis, sa façon de se désaxer, même sur, sur le bras avant de l'adversaire et tout, je trouve que c'est remarquable. Franchement, euh, il, même son organisation d'offensive et tout. Euh, mais Spence, tu vois, j'aime beaucoup sa boxe ah, à okay. plat, posé euh, c'est comme une zone c'est solide. Et tu vois qu'il a des mauvaises intentions sur sur ses coups. Euh, je trouve qu'il met beaucoup de coups aussi. Il est dans une belle queue, Justement, plus, ouais. je pense qu'il met beaucoup de coups aussi. Et je pense ouais. qu'au niveau du pointage, lui, il est plus, euh, il sait dans quel run ouais, euh, ouais. qui est à qui, je pense. Ouais il prend les runes il prend les Je Prend les runes Il prendra le risque de débiter autant de coups contre un mec qui a la foudre. A le... a le bon, après, à... c'est pas la première... Ah, ah, franchement, c'est des a... monstres hein, les deux. Hein. Oui. Donc, euh, ils sont habitués à affronter oui. des mecs qui ont du volume, ils sont habitués à affronter des mecs qui tapent fort. Mm. Ils ont déjà vu ça dans leur carrière. Mm. Mais c'est vrai que là, il y a une dimension, les deux sont invaincus. Mm. C'est le combat que tout le monde attendait. Ouais. Il réunifie toutes les ceintures. Et aujourd'hui on sait qu'en anglaise ben, c'est pas courant hein, mmh. De réunir toutes ces ceintures qu y a ce... Malheureusement oui, l'anglaise c'est le problème aujourd'hui D'ailleurs c'est pour ça que le MMA ben, a, pris, a pris une telle dimension C'est qu'en ah. MMA les meilleurs s'affrontent Et en boxe anglaise tu sais que malheureusement c'est pas le cas ah, C'est très difficile, ça. les promoteurs entre eux s'entendent pas Les fédérations entre elles ne s'entendent pas non plus Donc euh, c'est très compliqué D'arriver à réunir toutes ces les ceintures Ils sont au top de leur carrière Regardez par exemple tu vois Uzik Il va affronter Dubois Et Fury va affronter Nganou tu vois, c'est. Ouais. Non, mais ça, tu le vois qu'en boxe anglaise. C'est-à-dire ouais. que c'est les deux meilleurs boxeurs pour lourds actuellement. Ils s'affrontent pas à eux-mêmes. À eux ouais. C'est terrible hein, quand tu quand y penses. Ouais. Donc euh, voilà. Après, je pense que tu vois, Spence, il a un des avantages, c'est qu'il va avoir du mal à trouver des, des sparring du type de Crawford. Alors que Crawford, je pense qu'il peut trouver plus de sparring du type de Spence. Oui, parce qu'il a un plus classique. C'est électrique, ça. ça, comme tu dis Jimmy, ça fait peur. Enfin, toi, tu as eu beaucoup, des, des combattants avec énormément de combats. Ou t'as senti ce côté électrique, euh, c'est comme assez rare, non euh, Ouais, c'est rare, mais j'ai senti. J'ai senti ouais. avec, euh, avec des, des mecs vicieux. D'accord. Parce que je pense que c'est plus les vicieux qui ont ce côté-là. Oh, okay. T'en as qui ont le punch et qui t'assomment. Qui ouais. Mais le côté électrique. Le côté, ouais, il y en a ont le côté lourd, comme on dit. Et disait. que tu contrôles plus ton corps. Ouais. Ça, c'est une boxe de vicieux. Et moi, maintenant, j'ai 114 combats. Mmh. Et j'en ai, ai boxé euh, pas mal. Des, euh, tu vois pas le coup, il arrive comme ça dans la caméra, la télé on voit pas, ouais. mais ça te fait tituber un petit peu. Oh, il ouais, okay. euh, bah, euh, euh, y, y en a un quoi, qui t'a bien en tête et... là, que vraiment tu as trouvé qu'il tapait ouais. euh... Euh, Deux même. Ouais. Un Biélorusse, ouais. Dimitri Varat, euh, que j'ai boxé au Top King à 70 kg pour le tournoi, et euh, que j'ai gagné au point, mais largement, mais qui était très vicieux, et surtout que je savais que fais un, un trou il voyait ah, un trou il me ouais. la mettait okay. putain je pouvais prendre un compte et perdre le combat sur ouais, tu t'es dit je peux me faire connecter ouais, par ce parce mec qu ouais. parce qu'il ouais. qu déconnecte c'est pas un mec qui t'assomme c'est un mec qui déconnecte ah, ouais, ouais, tu te ouais. il peut éteindre le bouton comme on dit ouais. et tu contrôles plus ton corps t'es là tu sais pas ce qui se passe et il m'a touché hein, deux ouais. fois hein. heureusement j'ai camouflé j'ai attrapé il était près ouais. de moi donc mmh. j'ai attrapé juste derrière et un autre c'est sous sa corne donc euh, pour les... ouais il est connu sous sa corne star en Thaïlande je l'ai boxé à 21 ans j'ai gagné pareil et c'était un combat où tout le monde attendait et tout et lui boxeur très 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 vicieux très malin euh, et au bout d'un moment il m'a mis un coude et ça pareil hein, les coudes c'est comme les points hein, t'en ouais, ouais, as cher. qui t'assomme et t'en as qui te piquent hein. ouais, ouais. et il m'a mis un coude qui m'a piqué et heureusement pareil j ai, j ai ouais, direct ça s'est pas fiches, vu fiches, ouais. mais j'ai senti la, la différence ouais, bah, tu vois c'est ouais. Brahim Assoum qui disait qu'un jour il affronte je crois un japonais non c'était un mexicain plutôt ah je sais plus il dit au ouais. premier jab qu'il ouais. prend il le prend dans l'épaule, ah ouais. il dit ⁇ Ah oh, lui, faut pas que j'apprenne ⁇ ah ouais, Et pourtant, le mec, pas le marais de non, ouf, toi. T'as des mecs tu comme pensé ça, pensé tu sais pas. Avait, le mec, il avait du plâtre dans les... Ouais, dans il dans les disait gants. Non, c'est pas possible, il a mis ouais. un truc sous les gants ouais. ou quoi, tu vois. Et c'est vrai, ça me fait penser à ce qu'il dit Jimmy. T'as des mecs, tu comprends pas. T'as des mecs, ils, ouais. des mecs, ils ouais. te les touchent, ils te frôlent. Tu te dis ⁇ Ah ouais, lui ⁇ Et pourtant, un mec que tu vas dominer, hein Tu vas dominer le mec, c'est le pire, ça je crois. Que tu le domines, tu meilleur techniquement, un peu comme le Bélorusse. Et qu'à un moment donné, il te frôle dans le combat, tu te dis ⁇ Ah ouais, non, mais lui ⁇ Ouais. Il va pas falloir que je fasse euh, non, que je, et je et fasse et un de Et oui, et le et le pire c'est que la boxe c'est pas des maths hein. Le pire c'est que ce mec là juste avant il a, il a dû faire une, une prestation. Moi je sais que je m'en souviens, j'ai vu des mecs faire des prestations euh, moyennes, mm. voire vraiment pas terribles euh, avec d'autres fighters. Et moi je l'ai donc je me dis euh, voilà je l'ai mon équipe aussi serein et tout. Oui ouais, bien bah sûr, ça bah sûr va être ouais. Cool. Et euh, le jour J. Putain, oui, il, joue, il joue le combat de sa vie le gars ouais. C'est pas du tout le même Il euh, est préparé Je vois ses veines de partout Je me dis ok Ça va être la guerre alors ouais, Tu plus, vois donc, ah, en, en, plus plus en, affronté, pas, en vrai, on sait pas Ah non, tu sais pas Du coup bah, il préparait pas De la même façon et que, ouais Attends, Mais, Sauf il... que moi je me dis Je me dis, je me dis, je me ouais. dis Bah tous les mêmes Tu ouais, vois ouais, ouais, Je, bien je vois, bien sûr. Vois, tout le ouais. temps et tout ouais. Et au final euh, Ça peut même changer MMA francophone Qui rejoint le club des Valaises On t'acclame MMA francophone Bienvenue parmi nous Il est happé par sa passion On a commencé les gars Il y a 15 minutes Les amis il y a un qui nous dit, c'est en Italie. Exactement, il m'a suivi. Ouais. Sous ouais. Sous en Italie. Ouais. Non, non, mais c'est vrai ouais, qu'il y a des combattants. Tu rends, tu que, et il y a des combattants que tu peux pas l'expliquer, le, ça. Ça s'explique pas, tu le ressens pas. Tant que tu les as pas, mmh, tu ouais. peux pas comprendre, tu vois. Et tu as des mecs, et ça c'est vrai, ça nous l'avait fait avec Aratic pour Abdoul. Ouais. Tu as des mecs, tu les vois mmh. en vidéo. Tu te dis, il gagne ses combats, le mec. C'est-à-dire, tu le vois gagner, tu vois gagner des mecs terrible, forts, Mais tu le vois, il est classique, mmh. tu sais. Il boxe mmh. pas de ouf, il lutte pas de ouf, il n'a pas un sol de ouf. Mais en fait, ce qui fait le fait bien. Et en fait, le jour où tu l'affrontes, es, c'est un rocher, le mec, en fait. là qui est comme ça, tu sais, j'avais fait une, je sais pas si tu l'as vu, la, la petite vidéo où je parle du playstyle de, de Strickland. Oui. Strickland, t'as vu, boxe tout particulier. Ouais. Et en fait, tu, il faut pas confondre esthétisme et efficacité. T'as des mecs, tu ah, les ouais. vois, Strickland, tu le vois, tu te dis, ah mais attends, il s'est pas bien boxer ce mec. Ouais. Et quand tu l'as face à toi, c'est Nassourdine, il a dit, dès qu'il a vu, il a pris un coup. Il a dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Pourquoi il est compliqué Et là, tu as vu, il a pris le, le Dagestanais, là, un qui est super fort. Ouais. Il a tué. Ils, et il boxe bien, l'autre. Ils encaissent, ils sont étouffants. Il boxe hein. si, un peu, tu mm. un peu comme les Irlandais de l'époque. Mm. Là, il est sur toi constamment. <laughs> en plus, il a un gros menton. Ouais. Il, il frappe lourd. Il est méchant. Il a des mauvaises intentions. Il est, intentions, coup, il est villes, vicieux. Ouais, tu vois, il te met des coups au corps. Ouais. Il te parle. Tu ouais. vois, il te rend fou, le mec. Et tant que tu ne les as pas, ces mecs, c'est très difficile de faire des plans, tu vois. Et comme il dit en plus, ces gars. On dirait qu'ils choisissent le combat pour briller quand c'est ouais, contre toi. Ça, <laughs> ça, il va faire un genre. combat pourri avant, ah il oui, arrive oui. contre toi, il fait le combat de sa vie. En bah, ouais. plus, tu un nom en Muay Thai, donc c'est ça C'est ça le pire, c'est ça. ça c'est oui. que moi, maintenant, je suis arrivé à un stade en, en Muay. C'est pour ça que maintenant, je me convertis en MMA direct, parce que c'est le moment. C'est maintenant. Ouais. c'est que en ah, moi, je suis te à, faire, à, mon gars. Je suis arrivé à un stade où c est, c est, ça a été moi le champion pendant des années, et, et qu'eux, ils jouent leur vie face à moi. Alors que moi, j'ai des combats tout le temps. Donc, en fait, moi, je suis dans une routine de rester au top, mais je focus pas sur une personne. Alors que tous les, mes adversaires, ils savent qu'ils me boxent déjà six mois mmh. en arrière, ouais. ils focus sur moi. Sur toi, Et tête, ça me fait ouais. des combats durs tout le temps. Ouais. Plus durs que si je l'aurais boxé, genre, dix euh, euh, ans en arrière, où mmh. on aurait genre. été ouais. personne ouais. tous les deux, ouais. tu vois. n'as pas, pas de combat, où es par, parfois en anglaise, où tu as... Un combat dur, après trois combats pour te refaire tranquillement, après un combat... Tu peux avoir ça, mais il faut vraiment bien les choisir. Ouais. Et, euh, et en box style voilà, toujours la culture, hein. on ne choisit pas, c'est la dureté. Ouais, la dureté ouais, mais ouais. Sûr, bah... euh... mais si, ça me fait rappeler, il y a deux combats qui, qui illustrent bien tes propos. Le premier, c'est Masato Kaeba Bokaw. À l'époque, pour prendre MOOC, donc ouais. que tout le monde attendait. Masato, il fait une prépa de 4 mois pour lui. Il le bat par KO en plus. il fait un. Je trouve ça au point, il le connecte sur un crochet du gauche. Ouais. Et euh, il avait fait une prépa, mais vraiment spécifique. Alors, Bokao, c'était un combat, un combat de plus dans, son, dans ouais, sa ouais, carrière. Ouais. Et euh, il le bat. Et pareil, ils avaient fait un guet-apens à Yosin Sinclair à la grande époque, euh, Andy Sauer. prépa hum. de malade, de fou pour Yosin Sinclair. Et il bat au point euh, Yosenka. Mais pareil, comme tu dis, lui, pendant 4 mois, il avait que Yosenka. Yosenka, ouais. il combattait toutes les semaines, il oui. n'avait rien à foutre. Ouais. C'était voilà. un combat. Mmh. Et un et combat y... supplémentaire dans ah son ouais. parcours, quoi. Et connaissant les tailles, c'est ça. Hein. C'est vraiment en plus à la chaîne, à la chaîne. Il ne regarde un... même pas la vidéo. Oui, ouais, je, y y pas, quoi, je crois qu'il est arrivé euh... la veille de Talian de le mec ouais, ouais. <laughs> Rien à foutre. Tu vois, décalage horaire dans la tête et tout. L'autre Andy Sauer, il avait 8 préparateurs physiques, 14 nutritionnistes. En plus, à mon avis, non là, il devait prendre ce qu'il fallait derrière. Donc non, non, ça ne rigolait pas toujours intéressant ce genre de témoignage. Et oui non mais c'est super les gars. Mm. Et d'ailleurs où il affronte les Pacéo non C'est pas ça que j'ai Ouais, c'est ouais, ça, ouais. ça, ouais. hein ça ouais. En anglais Exactement. Ouais. Qu'est-ce t'en penses de ce genre de match, c'est incroyable cette histoire bah, moi euh, je pense que déjà c'est pour le buzz. Oui, bien, euh, bien sûr. Euh, ouais. c'est pour faire un match d'exhibition euh, les deux je pense qu'ils se connaissent déjà et euh, c'est juste pour euh, connaissant les deux tempéraments pour égaler le public plus que Oui, non mais c'est sûr. faire du buzz et ça va se finir par un match nul, non hein. Oui, exhibition, un combat d'exhibition, oui. Ouais, ouais. Ah, ils Kyo, font, est notre planète ils... Hein. ils le font quoi en anglaise Oui, oui ouais. bien sûr, oui, oui. oui. Ah, ouais, mais c'est pas du tout le même niveau, déjà. Ah ouais, euh... ouf. Hein. je trouve que c'est bien pour la visibilité, pour les cartes préliminaires avant, enfin, pour les combattants, ce genre de combat. Et, et, et même, je suis content pour Boca aussi, il peut prendre de la, des vrais sous. Oui. Parce ouais, que je pense ouais, ouais. qu'il a peut-être pas pris ce qu'il devait mériter. Mmh. Parce ouais, qu'il elle... était dans une période très particulière, lui aussi. La Thaïlande, quoi. Il a pas pris la même chose que Mani, c'est sûr. Ah non, Mani Pakeo, le mec, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Dites-nous, n'hésitez pas, hein, les amis, parce qu'on là on parle sur des témoignages Jimmy des nos, super invité, merci les gars. Et eh oui, bon eh plaisir, Jimmy gars, qui est de Montpellier. Jimmy aussi autre chose. Euh, tu vis où maintenant Je comprends plus rien. Euh, <laughs> eh oui, moi je suis un enfant du monde. Eh oui, je <laughs> le vois maintenant. Tu es où alors Alors euh, en fait, euh, j'habite euh, à Abu Dhabi. D'accord. Parce qu'il y a Dédé qui est là-bas. Oui. Donc euh, je fais ma, ma préparation toujours avec lui. C'est mon manager. C'est okay. toujours le boss. Et, euh, et puis euh, maintenant, je suis euh, à la bonne école aussi en MMA, à Montpellier. Mm -hmm. Donc, ça me permet de, contrairement aux deux années euh, dernières où je suis resté plus à Abu Dhabi, maintenant je vais être un petit peu plus en France. D'accord. Euh, pour euh, me préparer avec Amine et toute la bonne école en ouais. MMA euh, pour mes prochains fights et toujours avec Dédé. Et lui aussi il fait des allers-retours donc on s'arrange comme ça pour l'instant. Donc, du coup, vous avez un club à Abu Dhabi, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. Ok, c'est ça. C'est quoi, un club de boxe style C'est un club de boxe style MMA et suis en fait. on… D'accord. Vous on... cohabitez co Oui, mais c'est compliqué. C'est euh... stru la structure du roi. En Thaïlande. Ah, ok, d'accord. Euh, 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 à Abu Dhabi. Dhabi. Il, il, a, il adore les sports de combat, il met beaucoup de moyens. Donc, c'est son truc à lui. Okay. Et donc, Dédé fait partie de ses coachs. Moi, j'étais un, un combattant euh, euh, qui boxait pour eux euh, il y a pendant mm -hmm. deux ans, et maintenant plus maintenant. Donc, c'est pour ça que je peux venir un peu plus euh, à Montpellier. D'accord. Et en plus, j'ai intégré une école de, de cinéma pour être acteur. Ok. Parce que c'est vraiment la reconversion que je veux faire après ma carrière. Et donc, elle est à Montpellier. Donc, j'ai été pris et c'est pour ça que. Oh, c'est suis... incroyable, ça. Je ça, savais pas. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu parlais d'une de, de, série, non c'est ça, ouais. J'ai joué dans, dans Demain nous appartient plusieurs fois sur la une. Oh, <laughs> ouais, on a une star, les gars. Ouais, quand je vous dis. Non, c'est le début. C'est c'est pas trop dur au début parce que la caméra. Bon, après, t'es habitué, t'as quand même fait quand même pas mal d'interviews. Ouais. En au fait, c'est intimidant quand même la caméra. La caméra, ça m'a jamais posé problème. J'ai toujours été à l'aise avec. Euh, D'accord. La même caméra. avant les interviews, jeunes ouais. Non, bah après, j'ai commencé la première interview que j'ai eue, j'avais 16 ans. Donc, ah et, ouais. Euh, ouais j'ai même vois, pas connu. De... Je me rappelle plus d'avant. D'accord. Mais j'ai euh, jamais eu de problème avec les caméras. J'ai toujours eu. De la facilité à m'exprimer, ah ouais. à tout mmh. ça, avec mes mots, hein, bien sûr. Mmh. Mais ce qui a été plus dur pour moi, par exemple, pour l'audition, c'est de retenir des textes. Parce que moi, ah, j'ai arrêté ouais. l'école super jeune. J'étais en Thaïlande déjà à 14-15 ans. Ah, j'ai ouais. le père de mon entraîneur et tout. Donc, j'ai tout de suite été vraiment focus sur le sport de combat, mmh. sur la carrière, tout ça. Donc, j'ai arrêté l'école. Enfin, euh, j'étais pas sérieux, quoi, super vite. Hein. J'étais dans des classes spéciales, tout ça. Donc, c'est pour ça que, euh, que moi, pour moi, c'était apprendre des textes. Comment oui. on fait D'ailleurs, quand j'ai eu mes premiers textes à apprendre, j'ai appelé direct des gens qui avaient fait des études. et ouais. Comment on fait pour apprendre un texte tu vois Parce que je sais ouais, pas, mais moi je vrai sais vrai pas. Vrai. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont donné des méthodes, tout ça. Et du coup, bah, maintenant c'est un peu plus facile. Et voilà. Mais il faut plus ah, bosser. Il ne pas penser à ça, tu vois. Mais il faut, ouais. faut mémoriser et... Ouais. et être capable de le retransmettre avec ouais, l'émotion et tout. Exactement. C'est ça que est dis. On ne se rend pas compte. ça se fait en plusieurs étapes. Ah oui, ça se fait en plusieurs tu ne peux pas arriver à improviser comme ça. Non. Et pas pas Jean Gabin qui veut. Non, non, mais après. Je sais que les anciens, ils avaient cette capacité à improviser et tout, mais je te que ce pas donné à tout le monde, c'est très difficile. Hein. Ouais, mais sûr. les textes, on se rend pas compte quand tu dois lire un script, c'est dingue. Hein. Tu voilà. dois le lire, tu dois l'apprendre, et quand tu l'apprends, tu ne dois pas le réciter par cœur, hein. tu dois mettre les émotions. Enfin, il y a plusieurs étapes. Mais oui. tu dois t'imprégner ouais. du personnage. Exactement. Ouais. Et ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les acteurs. C'est impressionnant d'arriver à. à, à d'ailleurs, tu as des, des rôles où ils n'ont jamais réussi à en sortir. Hein. Tu vois pas dans Shelby là, tu sais celui-là des de, de Picky Blender là, ouais. c'est mmh. des mecs comme ça ou Ragnar dans Viking, c'est des mecs qui n'en sortiront jamais hein, de leur rôle. Hein. Tu sais, ils l'ont tellement incarné. Ouais. Euh, c'est et... toujours une suite que j'ai voulu faire et maintenant bah voilà, je me dis. Euh, si t'avais le choix, t'aimerais te rentré plus dans quel type de film? De la comédie, plus du film ah de Monster Non, moi c'est l'action, mon gars. l'action Non, moi je vais être le Jason Statham, Jason Statham. <laughs> Ah oui <laughs> ouais, ouais, Transporteur. Je veux pas des <laughs> trucs romantiques <laughs> ou je sais pas <laughs> quoi. Hein. Eh, tra Transporteur. Hein. Et en plus, ouais, c'est ouais. une, émo une émotion que je, je sais plus faire euh, le mec énervé. Ouais. Le mec tu vois, ouais, donc ouais, oui, sûr, fait naturellement. Voilà, c'est plus euh... facile de de faire de jouer cette comédie-là qu'un ouais. truc. Euh, ouais. Là, je pense ça doit être dur quand même. Les trucs Tu sais, comment ça s'appelle, les films avec émotion, etc. Après, il y en a ici. Il y en a, c'est plus facile pour eux. Ouais. Non, c'est ouais. plus parce qu'ils sont comme ça en fait. Parce ouais. que les acteurs ils te prennent, mais tu déteins plus dans un truc que dans ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bon, voilà quoi. Ouais. <laughs> Vous allez voir le jeu d'acteur de Fred tout à dans le prochain épisode, il est extraordinaire. <laughs> Valentin qui nous rejoint dans le club des Valaises, bienvenue parmi nous. La bonne école, oui, c'est bien là où il y a Elias. Il y a aussi l'Aïd ouais, qui combat demain. L'Aïd Zéroni, ouais. les amis, qui sera à l'Hexagone. Toi, Jimmy, tu m'as dit que tu y allais aussi Ouais, j'y vais demain. De, bah, demain, il y a entraînement à la bonne école et juste après, on y va. On ah va bah, soutenir. Euh... Et il y a aussi euh, Adam, hein, Adam non, qui boxe ouais, aussi. Ah euh, Adam. Je sais pas et si euh, vous connaissez je, ça, ouais, un je, bon je, boxe, je, ça Je ne sais pas si c'est lui qui m'a contacté. Il y en a un qui m'a contacté pour la prépa. Je ne m'en rappelle plus. Et euh, du coup, nous il y aura Yacine Chachetou qui combat également, qui a, qui a, qui a fait le poids. Laïd aussi. Et je serai au commentaire les amis, avec Lucie euh, Berthaud pour l'atelier. Donc ça va être, vous aurez mon, mon gros accent, et ma, ma grosse barbe et ma grosse voix, en tout cas, au commentaire. J'ai eu un débat avec mon père sur Crawford de Spence, je t'explique même pas, parce que, moi bah, du coup, quand il m'a dit Crawford, eh j'ai dit, écoute, moi, Spence, je vais contre lui, tu vois. Et tu connais le vieux, toi, Jimmy, tu les as vus à l'époque, oui. il faisait que crier, à l'époque, ah, je oui. t'explique pas, là là, il m'a crié, il m'a dit oh, mais qu'est-ce que tu connais, toi <rire> <rire> Je ah, te les dis, les papa, il m'a dit, qu'il a des axes mieux, il va te le déconnecter, l'autre, il est trop en ligne et tout, machin, box trop classique, trop prévisible. Là. Mais moi j'y crois, j'y crois. La dimension physique, elle me fait un peu peur. Euh, elle me fait un peu peur. Mais comme tu dis, il a ce côté électrique, hein, conforte. Et j'ai l'impression que ce mec. Alors t'as vu que les deux c'est des miraculés. Il y en a un qui a pris une ouais, balle dans la tête. Ouais. Hein, et l'autre qui a fait un tour. Il ouais, ouais, ah ouais ah, ouais. ouais. y en a ah, ouais. un qui C'est qui qui a pris la balle dans la tête C'est conforte qui a compté ses billets. En fait, il jetait les. Il avait joué au D, je sais pas quoi là, tu sais. C'est les jeux des dés aux États-Unis, là, tu sais, où ils jouent un peu de fric entre eux. Et en fait, il s'est mis, du coup, dans sa voiture, il a compté ses sous qu'il avait gagnés. Il s'est réveillé, il a pris une balle à tête. Il a vu du sang partout. sais il si c'est dans la tête Je pense c'est quelque part. Si, c'est passé là, non, c'est passé là. Ah oui, c'est Non, c'est vraiment dans la tête. Mais sauf que c'est pas. Voilà, ça n'a pas explosé le cerveau, quoi. Il n'a pas eu de séquelles, à proprement parler. Mais déjà, rien que le choc émotionnel, tu sais, même si tu es juste frôlé. Tu, tu, tu peux ne pas t'en remettre. Et euh, Spence, Spence, lui, c'est carrément. ça euh, fait je parce sais pas si tu l'as vu. L'accident, ouais, ouais. il, est, il est sur Internet. Hein. Ouais. Sans ceinture, sans rien. Jimmy, il fait je sais pas combien de tonneaux, le mec. Ouais, pas vu, hein. Il ressort, il a trois bleus. <laughs> mais par contre, attention, tu peux euh, esthétiquement ne pas avoir de traumatologie. Avoir mais par contre. De, euh, ça, de, ça, ouais, ouais, ouais. bien sûr. Et même psycho tu peux avoir après l'appréhension des chocs. Hein. Mm. Parce que quand il a parlé, il était un peu. Un peu comment dire il a, il a un peu des contusions un peu partout. Mais il disait que psychologiquement, ça a été dur au ah début oui. de revenir à l'entraînement. Ah ouais. Il entendait la, le bruit des chocs et tout. Parce que, mec, si tu vois, il est, il est, il est terrifiant de son accident. Ouais. Je ne sais pas comment il a fait. C'est de miraculer, les mecs. Mmh. Putain. Tu, tu m'étonnes. Et ils disent qu'ils changé ça a changé totalement leur vision de la vie. Ouais. En fait. Et même. Euh, ouais, euh... c'est obligé. Ouais. Quand tu vis des trucs comme ça, tu sors de ta routine, tu vois. Ah ouais, non, mais là, c'est. <laughs> c'est des histoires de malade. Ouais, hein. Tu vois autre chose. On nous dit Jimmy, vs Cédric Dombé, MMA, est-ce possible Eh ben, bah, écoute. Euh... Bon, après, dans la a... vie, rien n'est impossible, hum. déjà. Donc, je vais partir de là. Après. Euh... Bon, maintenant, lui, il a signé au PFL. Il sera au PFL Paris, je le rappelle, à moins de 77. Toi, tu vas combattre dans quelle catégorie 70. Okay. Bon, après, non, Et il n'y euh... peut-être pas. Parce que lui, déjà, 77, j'ai l'impression qu'il a quand même un peu de difficulté à, à le hum. faire. Donc, euh... Après, hum. voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Je ne veux pas dire non, à être. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, pas prévu. Pas prévu. Et du coup, la transition à MMA, ça donne un petit côté. Euh, tu aimes ce petit côté de challenge, ce nouveau. Parce que souvent, c'est comme as fait pendant des années de la taille, de la lassitude, le fait d'avoir des nouvelles exactement, disciplines et tout ça, exactement, ça a... parce que je te dis la vérité, hein, en pied point, je commençais à, à faire le tour, à, à être saoulé en fait. Je, ouais. je, on on m'annonce un combat, ok. Mmh. Alors c'est une routine. Voilà. Ouais. Et mais toujours. C'est ton métier quoi en fait. Ouais. Ouais. C'est le travail, mais ça a toujours été le travail, mais voilà. En 114 combats, euh, maintenant je suis arrivé à un truc où j'ai envie de voir autre chose en fait. Ouais, bah, ouais. Parce que là je suis arrivé à un stade où en fait. Tous les mecs que je boxe en pied-point, c'est moi qui les fais monter. Oui, oui, oui. Si ouais, Jimmy, ouais. Il gagne, c'est normal. S'il si perd, c'est catastrophe. Ouais. Donc, Donc euh... plus rien à y entre guillemets, à part un chèque. Voilà. Et euh, le MMA, bah, déjà, en fait, tout s'est regroupé. C est, c est, c ça, ça fait le buzz d'un coup. Ouais. Et puis, euh... maintenant, c'est des stars, les mecs. Hein. Les mecs de ta catégorie, c'est des stars ouais. planétaires. Eh oui, as est... Lui, si c'est un des meilleurs au monde. Ouais. Il le prend pas mal, mais il était presque connu. Par tu... rapport à un Makachev ou un Rabib, ou un Conor McGregor, tu t'imagines, il était champion un peu C'est une autre planète aujourd'hui, le MMA. Tu te bats en box style, tu te bats pour c'est un sport très bien hein, ouais. très dur et tout mais tu te bats plus pour des, des aspects euh, philosophiques euh, philosophique, de, surtout la dureté du corps c'est un, mm. un bon tremplin par contre quand as fait cette école là après mm. oui, euh, bien, sure. mm. bien rodé mais tu te bats pas pour euh, tu veux être riche tu veux avoir de l'argent tu veux être connu c'est pas la boxe taille hein. ah mm. ouais, ben sure. donc euh, le MMA ça donne envie de ouais. te, parce qu'on se bat pour quelque chose ouais. tu vois on se bat pour quelque chose en boxe taille, on se bat pour pouvoir survivre le mois d'après, ouais. pour avoir des sous pour survivre le mois d'après. En, en MMA as Tu as une perspective d'avenir à MMA MMA. Tu te, ouais. voilà, te bats pour être tranquille après. C'est vraiment personnel, c'est tu peux pas... En plus, ça a baissé par rapport ouais, à la grande époque du k après la grande époque du time Max la grande époque du Lumpini, ouais, du Raja. Rachet racheté ça. et tout, c'est différent. Et le MMA, déjà moi j'ai commencé par le judo, j'ai fait 9 ans de judo. De ah ouais. 4 ans à 13 ans et après la boxe taille, avec des dés de 13 à maintenant. Ah ouais. Ouais, donc donc, euh, donc j'ai retrouvé donc, des automatiques au niveau ouais. du debout assez, mmh. assez rapidement. Par contre, au niveau du sol, il fallait tout recommencer. Mmh. Et, euh, et là, j'ai un combat professionnel en MMA. Ouais, j'ai boxé déjà, déjà que j'ai fait à Abu Dhabi, UE ouais. euh, Warrior avec un Ukrainien, mmh. euh, qui est à 6-1, je crois, je suis sa, je suis sa seule défaite. Ouais. Donc euh, c'était un combat dur, mais on n'a pas pris le, un mec nul. Ouais, mais je vois. On mmh. a, ah, donc, euh, donc ça s'est bien passé, et là j'attends de faire mon deuxième, et puis, euh, et puis voilà, maintenant focus. Et ça, le deuxième, ça serait à l'arrêt normalement, c'est ça On verra, je peux pas dire maintenant parce que j'ai plein de trucs qui arrivent euh, avec okay. les contrats et okay, okay. tout ça. Ouais, pour l'instant, je, je suis au one, et puis, euh, et puis on verra, mais j'espère refaiter très, très rapidement. Quoi. Et le pied-point euh, taille, tu eu du mal à le transposer au MMA Il t'a fallu du temps avant de le transposer ou ça s'est fait naturellement alors, euh, non, il m'a fallu un peu de temps parce qu'avec les amener au sol, tu vois, le ah striking oui, est différent. Ouais, ouais. Striking est différent. Avec les gants de les mittens, ça m'a jamais. Les gants, ça pas dérangé J'ai boxé déjà avec les mitaines, avec des mots ah de petits, oui, avec ouais. des machins en box style. Donc, ouais. ça m'a jamais dérangé. J'ai l'habitude de ça. Et en plus, je préfère, je suis plus, plus ouais. libre. Oui, plus... ouais. En plus, vois. toi, t'as pas un style trop. Enculé. Non, ouais. et euh, quand je tape, moi, je suis un sniper. Ça veut dire, je, mm. je, je tape sur un, deux coups. Donc, ouais. ça me va bien avec les mitaines. Ah je fais pas des combinaisons d'anglais, tout ça. Donc, moi, ça me va très bien de ce côté-là. Ce qui était plus dérangeant, c'était les amener au sol. Donc, être un peu plus. Ancré par Exactement. terre, euh, un peu plus mobile aussi, être moins debout, En boxe, on est très debout, très, ouais, oui, très droit, droit ouais. pour les genoux, les coups de coude. Ouais. Voilà, modifier des petits trucs, mais vrai. maintenant que, que j'ai que confiance en moi dans ma lutte mmh. et, 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 dans, plus euh... et dans mes sprawls, je me libère plus dans mon, ouais. mon pied-point. Donc voilà, c'est des étapes à, à passer. En tout cas, on a hâte de te voir en tout cas. Ben, merci. Ah, J'avais de me de des questions pour Jimmy, attends, j'ai dû les retrouver. Hein. Euh... Ah, une vidéo avec Papa Marcus sur la boxe anglaise, hein. ça, vous allez bien <laughs> rigoler hein, s'il vient. J'avais des vidéos sur les transitions là que j'avais. Ouais, sur les transitions de, de Jimmy. Je sais plus où c'est que j'ai mieux. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu trouves, toi, pour faire ta transition de la boxe-taille ouais, bah, Si par exemple il y a un boxeur, de... un boxeur qui veut faire la transition, ça serait quoi tes conseils Un boxeur. Euh, bah, ça boxe thai, boxe thai, pour hein. moi, ce qui était le plus dur, c'est même pas parler de boxe-taille, de style ou quoi. C'est euh, de niveau. Par exemple, quand tu as été champion, de ah oui, revenir vrai. à zéro et que tu tes mecs te mettent par terre facilement, mmh. alors que tu vois, toi, tu es, es fier, tu es, es champion dans ton truc. Ouais, parce que quand ton ego quand même. Égoût, quand même. Ah oui, des... ouais, c'est dur de revenir à zéro ah ouais, et de se faire fumer ouais. par des, des petits. Ouais, vrai, vrai, Alors que c'est toi qui as fumé tout le monde non, depuis ça, des années. c'est ouais, bah, ça qui a été le plus dur. C'est le plus dur, c'est même pas la technique le plus dur. C'est de s'oublier, pas... de, de se dire ouais. voilà moi je suis personne, je suis là pour, euh, mm. pour progresser, on recommence à zéro et, euh, et après voilà étape par étape, tu dis ah, un jour voilà lui je passe, lui, demain je passe, passe toi, après demain je passe toi. Ouais. Refaire ce mais... que tu as fait en taille mais le refaire. Voilà demain. mais c'est dur. Pour moi c'était le plus dur. Après ce qui est bien et c'est encore le plus dur parce que c'est toujours je suis en train de charbonner tous les jours donc c'est toujours pareil. Mais après ce qui est bien c'est tu as des exemples aujourd'hui de personnes qui l'ont fait. T'es pas dans une ère où tu as beaucoup de lutteurs où tu as que des lutteurs qui réussissent. Ouais, ouais. Tu des, des Nya, tu as pitch. des Pereira, tu des beaucoup de strikers quand même qui, qui sont qui qui performent. Du, PC, qui performent. Mmh. du coup, tu peux pour y croire, c'est plus facile quand même. Ah oui, bien sûr. Il n'y aurait que des lutteurs. Même il y a Léon euh, Edwards, tu vois. Léon Edwards, il y a une très bonne ouais, boxe voilà, Donc c'est des mecs, oui, ils tournent pour la voie. Quoi. Ouais, ouais. Hum. Avant, c'était dur. Hein, avant, t'avais qu'Anderson quand Silva. Ouais, mais tu... bon, Anderson ouais, Silva, bah comme bah il s'entraînait ouais. au Brésil depuis qu'il était tout jeune, ouais. hein, il avait un super sol et tout. C'était hum. dur de s'identifier. Tu vois, les tu se Ouais, attends, moi. Ouais, mais lui, c'est un Brésilien. il s'entraîne avec des mecs qui sont champions du monde au sol. pour t'identifier, c'est super dur, quoi. Après moi, j'ai jamais eu spécialement besoin de m'identifier à des gens, même en boxe hein, style. Ouais. Quand j'étais plus dans les jambes, plus dans les coudes. Plus dans les... Non, j'ai vraiment laissé mon travail. Euh, parler de lui-même. Parler mmh. de lui-même ouais. et surtout ce, les, les armes que j'étais le plus fort. Mmh. Tu vois et après ouais, euh, ça passe. Ça et pas, après voilà, me... Sans, sans me poser trop de questions. Tu ouais, vois. Ouais, sans se dire est-ce que que mon style sera adapté ou pas. Ouais vois. non ça ça a jamais été. Tu sais, moi, je suis là pour en poser. Voilà. Jeu, exactement. Ça passe, et... Je suis pas trop, mmh. je me pose pas trop de questions. Ouais. Hein. Je suis pas. J'y vais, l'objectif c'est de gagner. Ouais. Ah, dis, en parlant de ça, Jimmy, est-ce que les, tes impressions que les mecs qui connaissent ton background ont envie d'en faire encore plus contre toi à MMA Est-ce que tu le ressens ça euh, Ouais, mais ceux qui, ceux qui font ça, ils sont bêtes. Parce que, en fait, j'en ai rencontré des gens en sparring mmh. qui, qui savent que, que bah, je, je suis chaud en pied-point. Ah, oui, du coup, ils, ils veulent être plus chaud que moi en pied-point. Ah, pour, ouais. pour moi, si je suis content, bah, du coup, il va pas m'amener au sol et je vais l'allumer. Mmh. Ouais. Et lui, bah, du coup, il est un peu bête et puis il fait pas la bonne stratégie. Mais ça reste quand même, euh, je dirais, 30% des... Oui, euh, semaine, et, voilà. puis, et puis, ça ramène vite à... au oui, bah. C'est <laughs> <laughs> euh... toujours pareil. Mmh. Donc voilà. Mais après, mmh. sinon, en sparring norm normal, euh, euh, en MMA, ouais, les, les gens, ils sont... Ils sont... Ouais, t'as quand même un il n'y a est... pas de tension parce qu'on est là on est tranquille on est entre nous mais oui. même dans d'autres salles mais c'est bon enfant mais il y a de la compétition ouais, c'est normal c'est normal, normal ouais. ouais, c'est normal et d'ailleurs c'est pas plus dur pour toi de trouver des combats parce que es quand même même si en MMA tu commences c'est quand, quand même un non quand même un nom hors eh MMA. Oui. Ouais. Donc, du coup exactement si tu prends tu peux pas prendre bah, des mecs d'ailleurs qui commencent le MMA ils voudront pas t'affronter et les mecs des, les tueurs ils vont se dire ah, mais j'affronte ouais, mais bien sûr c'est ça là, en coup, fait c'est ça, ça le plus dur pour toi de trouver en fait faut combat. tomber sur des fous ouais, ouais les, pour les premiers ouais. combats de ta carrière faut tomber vraiment sur des fous ouais. des gens qui et... ils se disent euh, ouais je vais comme ça ou alors des gens qui ouais. pensent qu'ils vont gagner mais ouais. ils sont fous ouais. déjà ouais. faut tomber vrai, sur des ouais. gens comme ça non mais ils servent en vrai ouais c'est vrai et puis des fous mais qui savent quand même combattre parce que sinon. Ouais, il, voilà. Il, ouais, ouais. Parce, parce que en, en, en pied-point qui est box taille j'ai 113 combats. Mm. Et en MMA, j'en ai un professionnel. Ouais. Et en, et en pied-point, j'en ai 113 pro. Mm. Donc du coup. Donc c'est pas évident à trouver. C'est compliqué. Ouais. En plus, je crois qu'en France, t'as des, 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 des jauges de fight. Tu ouais, peux pas traiter un, ouais. un mec ouais. qui a 10 fights. Ouais. Euh. tu peux pas prendre un mec non plus qui a, qui a commencé le MMA il y a deux ans, qui n'a pas, pas de passif. Ouais. Après, on va dire, ouais, il fait exprès. Enfin, ouais, voilà, c'est les ah, promoteurs. Si. Voilà, après, ouais. il, à mon ouais. avis, c'est un travail de, de ouais. plusieurs mois à, à, mmh. à matcher quelqu'un. Non, je pense pas que c'est évident. Et Yayo qui nous dit est-ce que tu t'inspires du style de Pereira ou d'Adesania pour ta transition Euh, non. Non, parce que. C'est plus des kickboxers déjà, eux. Hein. Ils sont pas ouais, déjà, c'est plus bien. des kickboxers et en plus, j'aime pas trop leur façon de fighter. D'accord. Et, euh... et puis, donc, du coup, non. D'accord, oui, mais après, de toute façon, c'est des styles. Euh, mmh. C'est souvent les styles qui. Après, derrière, euh, en fait, quand tu as. Eux, c'est vraiment de, le profil kickboxer, quoi. Encore que je trouve que Pereira, il est ancré un peu à l'hollandaise, tu sais, à toi, à moi. Pereira, il cogne dur. Il cogne dur euh, sur un coup. Il te, le mec, il te couche, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que, quand tu regardais le MMA à l'époque où tu n'y pas encore, je regardais le MMA avec mon père hein, quand j'avais 5 ans. Ah ouais, donc euh, j'avais ah RTL ah à 22h30. Ah donc ah ouais. <laughs> ah ouais, déjà. Ah ouais, déjà tu... Ça, a touj... ouais. est pas, est pas, ça a même pas venu comme ça Oui, c'est pas venu d'un coup. Non, non, euh... j'ai toujours voulu finir dans le MMA et tout ça. D'accord, ah ah donc j'ai ses... commencé tête. par le judo. Donc ouais. Au judo, je connaissais le MMA. En ah ouais. boxe taille, je connaissais le MMA. Mm. Et après, bah, c'était quand il fallait que ça soit l'heure, bah, ouais. je, je connaissais le MMA et j'ai toujours voulu euh, y être depuis très longtemps. Hein. D'accord, ouais, donc ouais, ouais, tu avais je déjà ça moi. en tête depuis... Ces... Ouais. Ouais, 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 depuis depuis, bah, petit, bon. depuis tout petit. Et du coup, quand tu le regardais le MMA, euh, est-ce qu'il y a des trucs de la boxe taille où tu te dis, ah, les combattants ne l'utilisent pas assez Est-ce ouais. qu'il y a des armes que tu vois avec ah, ton avis de montagne Les genoux et, les... Des... Bah, les, genoux et les coudes. Ah, ouais, ah, tu ouais. penses que c'est sous-utilisé C'est complètement... Après, ils ont de la lutte et moi bon, maintenant qui parce qu'avant les gens qui connaissent pas ils peuvent parler ouais ils comprennent pas je ils n'utilisent pas les coudes et mmh. tout mais en vrai maintenant que moi je suis dedans et que je m'entraîne mmh. c'est vrai que quand as l'aspect lutte les coudes ils sont plus durs à sortir ouais. parce que tu ouais. fais une erreur tu le loupes tu le coupes pas ouais. il prend un le mot de soupe, direct ouais, ouais, ouais. tu vois mmh. donc maintenant c'est je comprends mieux les gens qui qui l'utilisent pas à gogo comme ouais, ouais tu vois ouais, comme on voit mais euh, c'est quand même sous côté d'accord les genoux aussi un sous côté ouais mais ouais, c'est surtout ouais, techniquement en plus tu veux dire non les genoux ils envoient un peu n'importe comment Ouais, ouais, Mais même dans la peur de l'envoyer. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a cette parano. Vous savez vrai qu'il y a cette parano. C'est. Les qui sont peut-être un peu trop bridés à cause de la lutte. Du coup, il y a des. Je pense que le coude et le genou est sous-coté par rapport à ça, justement. ça, ouais. Parce que nous, en pied pont on l'envoie. On sait qu'il n'y a pas de soucis, on sait qu'il n'y a rien au okay, il y a un... tombe alors, il va va relever il ouais. n'y a rien mm, ouais. en vrai alors que en MMA il une erreur tu gagnes ouais. le combat tu mets un, un genou euh, comme ça mal contrôlé ouais. mal euh, pas dans le bon angle et tout mm t'emmènes au sol et voilà, t'as perdu. Ouais. Mais oui, mais toi, frère, en plus, je crois que c'est ça. Le mec, à un moment donné, je crois, t'es au ouais, corps, et il essaie de te mettre un genou, bon ouais. tu, tu pars en double leg et ouais, ça, il a ouais. plus mis ça. un coup de genou, tu comprends ouais, C'est normal, ouais. parce que ouais, le mec, il se dit, euh, il m'a ouais. fait marrant une fois, ouais. tu sais, après, tu te dis, il attend que ça, quoi. Mais et le, et le piège aussi à avoir, c'est que les gens, des fois, se sacrifient. Par exemple, moi, je mets les genoux, tu vois, ouais. des lutteurs, ils vont se sacrifier, ça veut ouais. dire, ils vont en recevoir deux, ça va les piquer à deux doigts du chaos. Ouais. Le troisième va dire, vas-y, je sais que je vais le prendre, je vais me sacrifier deux côtes. Mais je l'embarque. Ah, c'est un pari qu'ils font, ouais. Et ah, ça, ouais. bah, ça un ouais. striker de, 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 de changer de stratégie quand qu on remarque ça dans les yeux, tu vois. Oui, ouais. bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, quand c'est coûte que coûte, c'est coûte que coûte. Les amis, merci encore à toi Jimmy, euh, en tout cas d'être venu s'est régalé C'est super échange. n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Donner de la forme. Bientôt l'épisode, du coup, avec Jimmy euh, qui va sortir, les amis. Merci à tous. On n'a pas arrêté là. On tourne <laughs> depuis, euh, depuis depuis 17h30. On a tourné pas mal de contenu pour la chaîne. Et on vous dit à très bientôt. Passez une bonne soirée, les amis. Merci encore à toi Merci à très vite. Merci.